Oh mais quel homme incroyable, oh là, il est là, il est chaud. Bien sûr. Rebonjour du coup tout le monde, bienvenue à vous. On continue cette journée jeu Made in France, pardon, je dis à chaque fois game en fait, c'est jeu. De toute façon, voilà, il y a des termes anglais, j'ai vu des gens qui étaient déclenchés dans le chat. Je vois très bien. Non mais la déclenche, c'est normal. Ouais. Bon mais du coup voilà, effectivement, le programme continue. Alors évidemment, plein de jeux encore une fois à venir aujourd'hui. Vous allez avoir des créneaux avec du Astral Ascent bientôt. Mais aussi donc tout le segment notamment Microïds pardon qui arrive bientôt, donc tous les jeux licence BD tout ça. La BD. Ouais. Et eh bien nous allons faire une petite escale du côté de la création, mon cher Mister. Tout à fait. Ah ça te parle ça. Ah, je sens qu'il est habité, animé Là c'est la flamme intérieure qui est bien sûr très très forte. Bien sûr. Nous allons voir donc le projet Party Cubes et donc pour ça eh bien nous serons en très bonne compagnie puisqu'on sera avec donc Adrien ici présent et aussi Claire. Je dis les prénoms, je dis même pas les noms. Vous voulez les noms complets peut-être quand même. Non. Bon, Adrien Claire, voilà. Claire voilà, effectivement. Voilà. Donc, vont nous parler aujourd'hui de Party Cubes. Party Cubes qui est, on va dire jeu, mais aussi application. Ouais. Qui va à la fois eh bien, vous permettre de tester tout un tas de choses, de concepts, mais aussi d'apprendre et de créer. Notamment via tout un système de code et tout ça qu'on va voir ensemble. Alors, peut-être que je vous laisse un petit peu présenter le... L'origine du projet, Claire, bah vas-y. Plutôt à Adrien pour l'origine, je pense. Ouais, comme tu veux. Ok, là, très bien. Sur l'origine. Vas-y, Adrien, je t'en prie. Simplement, très rapidement, je suis très fan de jeux de création. On associe aussi tout le monde dans l'équipe. Ouais. Et on est passé par différentes choses. Moi, j'ai fait du jeu mobile il y a une dizaine d'années. J'en ai fait plusieurs jeux casual. Après, j'ai travaillé dans une boîte qui fait des outils pour les développeurs. Ouais. Plus du tout du jeu, mais de la recherche et le développement dans ce domaine-là. Et en fait, j'ai arrêté ça, on s'est dit, on aime bien les jeux de création, on a appris à faire des outils pour les développeurs, on peut peut-être faire un truc en combinant ça. Quoi. D'accord. Okay. Voilà. Le projet, du coup, il est quand même là depuis un petit moment, on l'a vu l'année dernière, donc ouais, sous forme de vidéo. Et là, on va dire que vous n'êtes pas très très loin de potentielle sortie pour faire des conversations. J'espère, parce qu'on est toujours surpris du temps que ça prend. Comment ça fait, on a démarré La Fleur au Fusil il y a 2 ans, en se disant, voilà, dans 1 an, c'est sorti, c'est bon, quoi. Voilà, ça fait 2 ans. On pense sortir milieu 2022. Ouais. Donc voilà. D'accord, ok, ça marche. Du coup, donc toi, Claire aussi, tu vas pouvoir un petit peu nous parler, j'imagine, sur les projets sur le long terme, avec potentiellement... le contenu de sortie et ensuite les mises à jour qui vont venir et qui permettront justement d'alimenter un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux peut-être dire 2 mots ? Pour le moment, on est en phase de passer en open alpha, donc une alpha sur laquelle tout le monde va pouvoir venir jouer, essayer, tester, créer. Ouais. Et exploser les serveurs. Faire des retours. Exploser les serveurs, évidemment. Tout à fait. Ça s'est déjà produit. Hein. Et ensuite, on aimerait continuer de développer un petit peu l'application avec tous ces retours qu'on va recevoir finalement des joueurs, des utilisateurs. D'accord. C'est notre grand but. Alors, je ne sais pas si on l'a dit, mais au cas où, petit rappel, donc on est sur un projet qui va se déployer à la fois donc, sur ordinateur, mais aussi sur téléphone mobile, donc iOS, ouais, Android. C'est ça. Simultanément, d'ailleurs, j'ai oublié de vous demander avant. Oui, totalement. Ok. Oui. Et du coup, je suggère qu'on le lance. Ah. On va voir ça ensemble. Nous sommes là. RMV qui est une prêt. Petite sélection de jeux, voilà, pour tester tout ça. Alors, Par quoi Tu peux démarrer par peut-être le cookie clicker. J'y tiens parce que disons que voilà, je connais pas ton niveau. C'est le gameplay à son paroxysme avec ses petits cookie clicker. Il y a peu de voilà. Je confesse ne jamais avoir joué à cookie clicker, donc peut-être que les mécaniques vont être trop compliquées pour moi. Peut-être. Ah, tu sais que les clickers en vrai, c'est pour les matheux. Hein. Donc en fait, c'est énervé. Hein. C'est vrai que là t'as mon compte, donc t'as déjà un compte de 1500. J'ai cliqué 1500 fois. Quand je teste. Ah oui, parce que du coup t'as oui, on a cette sauvegarde de données qui fait qu'on peut avoir des high scores, du scoring sur les jeux. Les petits morceaux de chocolat font 2 points, mais ils ne reviennent pas. Il y a des strats de speedrun. C'est pas une machine, tu vois. Là, on est vraiment sur le basique du gameplay. C'est le basique du gameplay, mais alors, ceci dit, pour les créateurs, c'était aussi pour l'annonce d'une fonctionnalité intéressante, parce qu'ils pouvaient enfin sauvegarder de la data. D'accord. Avant ce jeu-là, ça c'était notre jeu démo pour cette feature-là, mais avant ça, ils pouvaient faire des jeux, mais dès qu'on quittait, on perdait tout. Voilà. On repasse un peu par toutes les étapes du jeu vidéo, en fait. Petite parenthèse, il me semble qu'on n'a pas de son. Est-ce qu'il y a du son in-game? Il n'y a pas de son encore. D'accord. Il n'y a pas de son, donc on peut faire sur avec les la autres bouche. Jeux aussi ou pas? Aucun. D'accord, très bien. Pas de problème. Non, c'était juste pour savoir, parce que du coup, en régie, ils étaient en panique, parce que vous avez peur d'avoir fait une connerie.
Ne vous inquiétez pas, Claire, tu veux dire quelque chose. Et c'est vrai que là, on voit que le meilleur score, il est à 23 456, donc quelqu'un de très énervé a pu... Mais alors, c'est quelqu'un qui s'appelle... Énervé, passion. Alors, c'est quelqu'un qui s'appelle O. D'ailleurs, on peut voir en dessous, il a réservé un username assez court. Et parfois, il se fait dépasser par quelqu'un qui s'appelle A. Le tout, c'est de savoir qui est qui. On aussi en concurrence sur les pseudos, visiblement. D'ailleurs, alors voilà, juste petite... Tu peux faire échappe, si tu veux, pour main menu. Alors, on voyait qu'on pouvait lire le code. Ah oui, oui. Ça, ouais, mais ça, on pourra voir ça plus tard. Ouais. Alors, pour préciser un petit peu comment se font les choses, donc on est sur un système de jeu façon voxel. Donc pour les gens qui ne savent pas, c'est pixel art en 3D, hein, c'est la même chose, oui. C'est pas des carrés, ce sont des cubes. Et en gros, donc vous avez intégré dans le jeu un éditeur également de... Enfin, du coup, un éditeur de voxel aussi qui permet... Alors, il y a un éditeur qui permet de créer des objets en voxel. Ouais. Donc voilà, on peut créer des objets en voxel, on peut aussi créer des mondes entiers en voxel. Hein, et voilà. On est un peu sur ce... On a l'éditeur de voxel qui est complètement en place. Ouais. Et on est en train de travailler sur l'éditeur de monde qui permet justement de combiner tous ces items ensemble. Tous ces objets, pardon pour l'anglais. Oh, oui, les jeux made in France. Voilà, et voilà. Donc, Ok. Est-ce qu'on essaye autre chose? Ah bah oui, quand même. Un petit Lunarlander, là. Lunarlander, il est pas facile. Il est pas hyper facile, vraiment... Ouais, mais voilà. Ça, c'est les jeux... Voilà. Tu as joué à ça, toi, Lunarlander, tu vois un peu? Ah, parce que je suis un boomer. Non, je cherchais en français, j'ai pas trouvé. D'Exploser. Non, ça veut rien dire. Ah, Defender, non, Defender. Plusieurs. Alors, il faut appuyer, je pense, sur la barre espace pour voler. Espace, ça doit être les clavier. Les touches, la QS... Ouais, c'est bon. Voilà, le clavier colle un peu. Ouais. Mais... Il faut aller sur la plateforme verte qui est juste en dessous. Là, tu parles... Un petit peu trop loin. Ah zut, elle était juste en dessous. Attention, non, c'est pas grave. Je vais stabiliser. Alors, j'ai le compas dans l'œil. Par contre, l'angle est vraiment... Il faut vraiment être 3 pas loin de zéro. Je reste frais. Ça va faire un petit retry. C'est dommage. Il est juste en haut à droite, le retry. Voilà. Bien sûr. Très bien. Bah, j'ai apprivoisé les touches. Maintenant, c'est un jeu d'enfant. Ouais. Assurément. Allez, donc ce qui est chouette en fait, c'est que c'est totalement possible de reprendre ce jeu-là, d'aller mettre une fusée, de dessiner une fusée différente, ouais, de le remixer, de changer les règles, d'être un peu plus tolérant sur l'angle d'atterrissage par exemple, qui doit être entre 1 degré et moins 1 degré. Oui, oui, c'est pas du tout permissif. Si tu veux, on peut tricher, on peut regarder le code, et comme ça on peut juste modifier le jeu, le rendre permissif, bien sûr. Bah ça serait possible, parce que là, du coup, c'est juste un... Tu peux aussi afficher « gagner direct en fait. Ah bah oui, c'est ça. You win. Waouh. Ah, long. Oh le... Eh oui, voilà. T'as pas fait le meilleur score, donc il va falloir recommencer. World Best 95. Je crois que le score, c'est une espèce de combinaison entre le temps que tu mets et le fuel que tu crames. Ouais, bah, ouais. Et j'ai évidemment fait 69. C'était moi, non. Je crois que... C'était... Ouais, non, c'était... Ah, ouais, t'as fait quelque chose comme 35, je crois. Oui, c'était mental, d'accord. J'ai bien compris, pas de problème. Je ne le prends pas personnellement. Côté publication de jeu, ça se passe comment ça? Je ne vous ai pas posé la question, parce que quand tu fais ton petit concept, machin, tout ça, que tu veux le partager, t'as payé outil cher. Alors aujourd'hui, ils sont direct partagés, en fait. À partir du moment où tu le crées, il est instantanément partagé. On va avoir un mécanisme de release, pareil aussi, parce que... Pas mal. Oh, c'est mieux que moi. Oui. Okay. Incroyable. Bah, j'arrête de jouer. On sent le gamer. Ah, voilà. Donc ça, c'est le code qui... Alors, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. C'est pas si compliqué que ça. Donc c'est du Lua, tu disais? C'est du Lua, ouais. Donc c'est la même chose que Core Games Et Roblox. Et Roblox, pour les gens qui éventuellement auraient des compétences de ce côté-là. Alors, pour pas réduire, c'est très bien Roblox et Core Games, mais c'est un langage qui a plus de 25 ans. Voilà. Oui, effectivement. tu fais bien de le dire, mais c'est vrai que c'est juste parce que je sais que sur le chat, tu vois, il y a des gens qui ont peut-être éventuellement de l'XP un petit peu de ces côtés-là, et qui peuvent du coup... clairement arrivé ici en terrain conquis en se disant « Ah, mais d'accord, ok, je connais le code. » Ça, on fait du code pour cette fusée de malheur. Ouais, alors, il y a le code dans... Là, c'est très simplifié parce qu'on a aussi le code qui tourne sur les serveurs. Tout est à la suite. Donc, selon les fonctions, selon où on met son code, on peut avoir du code côté serveur, appareil. Voilà. Et peut-être qu'on peut proposer de jouer à un petit jeu spécialement pour l'événement. Ouais. Ah, oui. Donc là, on peut aller dans... la petite, voilà. Et taper turn. Turn. Truc que je n'ai pas featuré. Voilà, il est là, il y a la turn-based battle. Donc la bataille au tour par tour. Voilà, on va jouer tous les deux, du coup? Non, alors, bon... quand même pas. Ah, oui, première déception. on a commencé hyper motivé ce matin à faire ce jeu.
L'info clé, c'est que du coup, ce que vous avez vu là. Il y a un petit problème déjà. Ligne 196, bon, on pourra te laisser corriger ça. Ah, bien sûr. Grand plaisir. Tout de suite. Voilà, je pense que c'est la publi de trop 5 minutes avant le stream. Ça, il manque un petit point virgule, ça. Partons, c'est tout. Ligne 196, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, regardez ça, on corrige en 2-2, évidemment, facile. Alors, attends. Manque une parenthèse, c'est tout. Où allons-nous? C'est plus compliqué du coup là. Ligne 196. J'ai pas vu l'erreur qui était. Attends, voilà, on va regarder. Resume. String attempt to compare number with nil. Avec rien, le néon. On peut y retourner. Alors là, par contre, c'est juste pour lire le code. Tu pourras pas le corriger directement. Ah, d'accord. Il y a une section construction, parce que là, t'es dans la section on joue. Donc du coup, faut que j'aille ailleurs. Tu peux faire close. Oui. Voilà, main menu. Et on peut peut-être essayer de le lancer depuis un autre endroit, voir si. Essayer de voir avec back. Tu peux faire back, fermer la croix. Ensuite, aller dans la section build. Là, c'est vraiment l'autre partie où on construit les choses. Et du coup, il est en haut. On peut essayer de le lancer, voir s'il y a l'erreur sur celui-là. Et c'est vraiment un jeu qu'on a fait depuis ce matin. Donc, c'est pour montrer un petit peu à quel point on peut créer rapidement des jeux aussi sur l'application. On a fait tout ça assez rapidement au final. Ouais, le monde, tout ça. Tout était prêt ça. Sur le chat, tout le monde a trouvé la réponse en 2-2. Hein. C'est vrai, oui, c'est parce que la vitesse est nulle. Et voilà. Bah non, mais là, il a l'air de marcher, je pense que c'est. Voilà. Donc tu peux appuyer sur la barre d'espace, je pense que c'est la version, c'est une version qui a été publiée un petit peu plus tôt. Donc ça, c'est ton petit jetpack, donc quand tu laisses appuyer sur espace, tu peux aller voler un peu plus haut. Si tu fais clic gauche, tu vas pouvoir lancer des roquettes dans les bâtiments ou. Oula, ah oui. En effet. Quel homme énervé. Voilà, on a pas encore mis la d'explosion vive, mais ça peut se rajouter. C'est des trucs qui peuvent se rajouter très facilement. Ouais, on l'a vu de toute façon tout à l'heure. Vous aviez création d'objets possibles où t'as un peu le système de particules, où t'as un petit peu des cubes de partout. Ouais, on a des démos avec ça. Qui donnent le feedback. Voilà. Vous avez du contrôle caméra ou pas? Genre, si quelqu'un veut faire autre chose que vu de derrière, par exemple. Ouais, on peut. On n'a pas encore des contrôles très poussés, mais ça va arriver. Là, si tu fais clic droit et que tu bouges, tout en laissant appuyer sur clic droit. Si tu relâches le clic droit, la caméra va revenir sur toi, voilà. Et si ça y est, quelle aventure. Tu avances des zooms d'hier, je le sens. Ah, j'essaie de trouver un jeu de mots foireux à faire. Mais alors, t'enlèves de lettres. Mais tu vois. On a fait en sorte que le logo ne puisse pas être on respecte trop l'événement. C'est beau. C'est très beau. Alors, moi, j'allais le saboter sans vergogne, bien sûr. On voit un élément important, c'est que donc, les voxels qu'on fait, peut en faire donc, couleur pleine, mais aussi avec une opacité différente pour notamment battre la partie vitre, comme là, vous le faites ici. Oui. On a les cubes transparents qui sont disponibles. Ça, c'est assez sympa aussi. Mais quel homme qui détruit tout. C'est ça qui est drôle aussi. Quel enfant. Elle est en train de péter la map, là, que tu vas faire comment? Donne un rocket launcher, faut que j'en fasse quelque chose. Et là, on peut voir qu'on a des jolies petites roquettes arc-en-ciel, mais on peut reprendre le code du jeu, modifier la roquette pour en faire complètement autre chose à notre sauce. Et ben, je suggère qu'on tente ça. Donc le but en tout cas, ce qu'on voulait faire sur ce jeu-là, parce qu'on va il devrait être prêt en début de semaine prochaine. Ouais. C'est un jeu tour par tour où on peut on a quelques secondes d'action, un tir et ensuite c'est au suivant. Ouais. Donc, voilà. Très bien, oui. Très simple. Alors pour modifier la roquette, tu peux aller dans Cancel, annuler. en bas, tout en bas. Ah oui, j'avais pas vu. Ouais. En fait, les objets, tu peux faire Main menu. Les objets, ils sont modifiés indépendamment dans Back. Et là, cliquez sur Items. Voilà. Hop. Et là, tu vois, il y a la Rainbow Rocket, bien sûr. Tu peux cliquer sur Edit. Ok. Vas-y, ouais. Voilà. Alors, je vous informe nous en sommes au timing où il nous reste 10 minutes. Donc, speedrun, là. Très bien, très bien. Alors, donc là, pour t'expliquer rapidement. À gauche, tu as les outils, donc soit tu ajoutes des cubes, tu enlèves des cubes, tu peins des cubes ou tu prends le piqueur pour prendre des couleurs. Le miroir, c'est peut-être un peu poussé pour ce stream. Et à droite, tu peux afficher la grille. Ça, c'est juste un toggle. Le miroir, c'est pour produire en symétrie, c'est ça? C'est pour produire en symétrie, ouais. Okay. Et il y a la palette en bas qui s'affiche pour choisir d'autres couleurs quand tu as un outil qui a du sens avec ça. Et donc là, tu peux dessiner
Autre chose. Okay. Customiser ta roquette. Ah, bien sûr. Attends. Et pour la caméra, je regarde un peu. Alors, la caméra, la façon dont elle fonctionne, c'est que quand tu fais clic droit et que tu bouges, ça déplace la caméra. Et tu vois qu'il y a un petit cube qui s'allume. C'est le centre de rotation de la caméra. Donc, si tu relâches avec le cube comme ça, là, après, le clic gauche bouger va te permettre de faire incroyable. Tourner le cube. Incroyable. D'accord. Okay, okay. D'accord, ça marche. Ouais. Voilà, on peut on a un design qui est... On essaye sans arrêt de faire des choses qui marchent correctement sur mobile et PC en même temps, donc c'est pas toujours évident de trouver des contrôles que tu me disais qui pour sont la lumière, compatibles. Mais il faut quand même... La lumière, ouais, c'était pour le glow. Pour l'instant, on s'avance pas sur des features de rendu trop poussées pour que ça tourne sur des appareils mobiles qui puissent avoir 4-5 ans. Ne me demandez pas ce que je fais, je n'en ai aucune idée. J'ai peur de voir, malheureusement. Bien, ça se passe. Voilà. Mais... Donc, là, si on revient en jeu, par exemple, on aura des roquettes qui ressembleront à ça, qui seront tirées. Quand on en a parlé avant, on imaginait quelque chose de beau. Elle se rappellera que littéralement, c'est exactement ce que j'avais dit. Mais ouais. C'est là une bonne roquette, quoi. Donc là, tu peux faire back et revenir dans le world en dessous. Donc turn-based, voilà. Et là, normalement, on va voir les roquettes modifiées. Yes. Alors, c'est vrai qu'on peut peut-être faire un petit changement. On va peut-être pouvoir faire un petit changement dans le code qui va permettre de faire en sorte que les roquettes n'explosent pas. Sinon, on ne pourra pas voir grand-chose. Ah oui, bien sûr. Et oui. Tu vas pouvoir mettre le petit indicateur. Alors, pour les gens que ça pourrait éventuellement intéresser, c'est vrai que ce genre d'outil, ce qui est cool, c'est que finalement, tout est fait pour que vous puissiez assez rapidement avoir un résultat. On voit quand même un petit peu. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, je vais te poser la question pour la box de collision. C'est la box de Livoxel Alors, oui, on a des boxes de collision. Il y a des boxes de collision. Pareil, on essaye de trouver des bons compromis entre des boxes qui sont assez simples pour avoir des jeux où on peut avoir plein d'objets, des collisions... elles sont pas méga précises au petit voxel près des items. Forcément, voilà. Après, on peut faire des choses. Si on veut faire des choses poussées, on peut les faire via le code. Ouais. Mais par défaut, les objets ont des boxes assez simples. D'accord. Ouais. Voilà. Alors, si tu veux couper les explosions, par exemple, tu peux faire échappe, edit code. Et c'est juste là, juste en dessous, scroller un petit peu. Explosion. Voilà. Donc juste, C'est très intuitif. Voilà. Et voilà. Publish. Donc, alors, ce qui est marrant, c'est que si on joue avec d'autres personnes, elles peuvent être connectées, ça relance la partie pour tout le monde. Ah ouais. Et on peut instantanément tester les nouvelles règles. D'accord. Ça peut être pas mal pour. Voilà, donc là, si tu lances ta missile... Rocket Jump, incroyable. Magnifique. Ça y est. Yes. Oui, parce qu'il y a quand même le truc... Voilà, de la protection, on voit évidemment ce design, ce design qui vous émeut tous. Ah bah là, saute dessus pour voir ce qui se passe. Elle n'explose plus. Ah oui, ça, elles ont peut-être... Alors, il y a une valeur de bounciness, donc de rebond. Donc je ne sais pas ce qu'il y a sur ces missiles, mais il y a peut-être quelque chose. Et ouais, côté physique d'ailleurs, vous gérez quoi concrètement avec le moteur déjà préétabli de base, tu vois? Pardon? Je suis captivé. Je disais pour la physique en fait, vous avez géré quoi en gros? Ça marche par Alors on a en fait c'est des choses assez basiques. On peut régler les bounciness, la friction, avoir des callbacks quand il y a des collisions. Les collisions par exemple, ça peut déclencher une fonction qu'on détecte que tel objet a touché un autre par exemple. Ouais. Ok. Ce genre de choses. Donc on a de quoi faire pas mal de choses avec la physique. Oui, on peut faire des jeux de course, des jeux d'auto-tamponneuse. On a un jeu qui s'appelle Cactus Bumper où on glisse sur de la glace aussi dans ce style de physique-là. D'accord, ouais. Il y a des trucs assez fun. Et dans les mises à jour que vous visez justement un petit peu sur la suite, j'imagine que vous avez quand même les trucs à faire et les trucs genre de rêve. Dans les trucs de rêve, vous êtes... Les trucs de rêve, je pense déjà le multiplayer qui marche super bien. Et il commence à marcher parce qu'on a un système d'événements qu'on peut envoyer au serveur, aux joueurs et tout, donc on peut faire des choses avec. Ouais. Mais on a aussi le un petit peu plus long terme avec du multi où vraiment sans avoir à y penser, les choses se passent comme il faut. Quoi. Ouais. Ça c'est notre prochain objectif principal, ce sera un multijoueur parfait. Ouais, parce qu'il est trop ouf en plus, hein, quand ça marche, c'est incroyable quoi. On a déjà commencé à créer des jeux qui fonctionneront aussi avec le multiplayer. On suit aussi un peu en fonction de ce que les gens créent. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui créent un jeu, il leur manque quelque chose, donc on va le passer en priorité parce que ça les,
ça les aide à terminer ce qu'ils font, quoi. Et gestion des contrôles, d'ailleurs. Tu peux aller sur le chopper simulation, peut-être. Il est en dessous. Ah, pardon. Lequel des simulateurs? Là, c'est un... celui-là. Ouais, pour les contrôles, du coup, vous envisagez le support manette, double manette, genre un truc-là? Alors, on va... Ouais, on est très PC mobile pour le moment. Ça pourrait fonctionner sur manette, c'est juste pas la priorité. Je pense qu'en termes de plateforme, on irait d'abord sur les navigateurs. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on aimerait bien faire assez vite. Ça permettrait d'afficher, par exemple, un jeu sur un blog post directement. Et voilà, l'appli, elle pèse, là sur mobile, elle pèse moins de 20 mégas. Quoi, donc c'est, ouais, ça se charge très très vite. Et on pourrait l'embarquer comme des applis flash. Ouais. Ok, ça marche. Ok, il est là-bas. j'ose pas vous poser la question, j'espère que c'est pas un gros mot. Vous me dites au pire, on ne sait pas encore si jamais de manière très élégante. Mais, parce que je vois donc effectivement, vous visez quand même un jeu qui est gratuit. Oui. Et du coup, comment vous faites côté modèle économique et tout ça, vous avez quoi en tête? En fait, on lève de l'argent, on brûle tout. Non, ouais. Très bien. Ça va rester du freemium. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait absolument zéro barrière pour les gens qui créent. Donc, qui créent des items, qui créent du code, ça sera toujours totalement illimité. Ouais. On a travaillé sur pas mal de jeux freemium. Enfin, moi personnellement, puis mon associé aussi. Ce sera beaucoup de choses pas obligatoires, des choses cosmétiques, des perks, des serveurs privés, des choses comme ça qu'on pourra avoir en payant. Voilà. D'accord, ok, ça marche. J'ai testé l'éjection de mon hélico, je voulais faire une cascade, mais ça se passe mal. Tu as de la chance de pouvoir sauter à l'infini dans ce jeu, parce que ça dépend des jeux. Va-t-il récupérer son hélicoptère? Il est haut. Ok, il peut lui dire au revoir. C'est aussi la raison pour laquelle on met pas trop d'input, c'est que comme on veut que les gens testent plein de jeux différents. Ouais. Si à chaque fois il faut se dire ok, qu'est-ce qu'ils font ces 15 boutons là, c'est compliqué, quoi. Ouais. Donc là on sait que dans chaque jeu on a la direction, le curseur, 3 boutons d'action, et avec ça il y a à peu près tout qui peut fonctionner, quoi. Moi, j'ai hâte de voir le jeu de Peter Molyneux, hein, qui sera également le clic de cube, on le rappelle. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire-là, c'est incroyable. Mais ouais, en tout cas, le fait de l'avoir aussi en navigateur et mobile, je trouve ça trop chouette, parce que c'est vrai que ça... Bah, on peut coder sur mobile, d'ailleurs. Ouais. Et ouais, c'est ça. Que c'est... Alors, sur téléphone, c'est un peu limite. Moi, ça m'arrive de fixer des bugs, ça peut être sympa pour ça. Ouais. Sur tablette, ça marche plutôt bien. Ouais. Ah, je loupe ma cascade à chaque fois. J'essaye, mais... Tome de l'extrême. Ah ouais, non, là, c'est... Si. Je crois qu'il s'éloigne de plus en plus. J'y suis presque. Allez, là, oui. Mais qu'est-ce que... Ah, non, il est encore... Bah, non, parce qu'en fait, en double-cliquant, je peux, tu peux rentrer dedans. Donc, mon but, évidemment, c'est de m'extraire pour y retourner. Le nouveau James Bond. Voilà, oui, parce qu'il faut être pas trop loin de l'hélicoptère pour que ça marche. Ouais. C'est ça. Je vois. Et c'est un seul clic, je crois. Et justement, là-dessus, on peut aller sur le code, le changer, faire en sorte qu'on puisse prendre le contrôle de l'hélicoptère de plus loin. Et oui, c'est vrai. Si tu enlèves, par exemple, la condition de distance, effectivement. Ouais. Faites tomber dessus. Il veut plus. Il veut plus voler, salaud. Bon, là, mon cher MV, je te le dis, c'est ta dernière chance. Parce non, que c'est bon, regarde, il revient. On enchaîne, mais alors. Ah. Oui, incroyable. Moi, ce que je veux, c'est il a légèrement rayé le. Mais bon. Ah non, mais ça y est. C'est maintenant que tu joues. Ah oui, bravo. On est où? On est là. On est là. Vas-y, reste prêt. Attends, clic droit, je descends, je crois. Ouais, j'amorce la descente, mon cher Atto. Oh là là. Cascade finale. Mais qui est... Oula. C'est là la magie des jeux vidéo où on peut sortir à travers les pales. Oui, évidemment. On n'a pas mis de damage sur les pales, donc ça va. Ah ouais, j'ai eu la présence d'esprit de ne bouger que verticalement. Donc il reviendra un jour, bien sûr. Voilà. Oui, du coup, dernière question vis-à-vis de ça, justement. Est-ce que tu peux stacker les objets entre eux? Par exemple, avoir un objet hélice, un objet hélico. Et du coup, par exemple, avoir un comportement différent. Là, c'est exactement ce qui se passe. Là. Ah, d'accord, on a créé des hélices, on les a ajoutées sur l'hélico pour pouvoir les animer différemment. On a fait ça en stream, d'ailleurs. On a fait ce jeu-là en stream exprès pour montrer comment on pouvait coder. On l'a créé en stream en une heure. Eh bien, vous me donnez la transition idéale, parce que pendant que Monsieur MV est en train de perdre complètement... On ne le retrouvera plus, je crois. Au revoir, petit hélico. Du coup, on va vous remercier, c'est trop cool. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Vraiment, très très intéressant. Donc, évidemment, si jamais... Bah si, peut-être aborder le sujet... Ah oui, dis-moi.
de la sortie, l'early access. Oui, enfin, j'étais en train de... Oui. Que j'allais dire, du coup, qu'effectivement, donc c'est pour les gens qui veulent suivre votre projet et qui voudraient, du coup, le voir au moment de sa sortie. Donc, c'est le site web, vous me disiez. Particube.com. Particube.com, si vous voulez tester. Particubes, il y a un S. Particubes.com, attention. Discord également. Oui. Ouais. Slash Discord, ça amène au Discord. D'accord, ok, encore mieux. Et oui, donc après, non, du coup, par rapport à, effectivement, peut-être un accès anticipé à venir, des choses comme ça. Peut-être imminent. Mm. On a l'Early Access sur Steam qui arrive juste après ce stream. Donc si vous voulez essayer, normalement, ce sera disponible soit ce soir, soit demain. Mais, voilà, ok, important. Ce qui est l'info importante, effectivement. Oui, oui. Mais du coup, prends la parole dans ces cas-là, tu me dis, oh, stop, et on y va. Ah oui, mais oui, dans le vide. Dans le mais, donc, effectivement, oui, voilà, si vous voulez tester tout ça, vous, de votre côté, bah, n'hésitez pas, effectivement, puisque là, vous pourrez le faire incessamment sous peu. Vous aurez, de toute façon, j'imagine et j'espère, le lien via, du coup, le site, encore une fois, Je Made in France. Et puis, donc, finalement, sur votre site et tout mm-hmm. ça. Juste, alors, Early Access, mais du coup, donc, c'est principalement sur PC, là. Alors non, c'est sur mobile aussi. Hein. Sur mobile aussi. Il y a ouais. tout, il y a tout. Total, mais ah, ouais. On fait tout en même temps. Très bien. Eh ben nickel. Ah. Bah écoutez, on vous souhaite bon courage pour le lancement. Bah, merci beaucoup. Tout se passe bien. Merci. Et puis bah du coup, n'hésitez pas évidemment à faire aussi vos retours et à tester les choses. C'est important. Ah, tu vois que tu t'es perdu dans un démineur. Je suis nullissime au démineur. C'est vrai. Là, c'est safe, tu vois. Pourtant, je vois Xavier qui a fait ça en 11 secondes. Je comprends pas. Ah mais c'est pas le même. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est le problème. Ouais. À 3 c'est là. C'est le Xavier de chez nous, ça. Donc là, c'est. C'est lui qui a fait le jeu. Et c'est lui qui fait le meilleur score. Et on... Ah, ce genre de personne qui fait le jeu et qui te bute à son jeu. Voilà. Ah, j'en connais des comme ça. Et oui, et oui. Bon, bah très bien. Bah écoutez, on va. Et c'est perdu. Incroyable. Quel ouais, niveau. C'est perdu. Tiens, faut noter que le lose est écrit en cube aussi. Ouais. Oui, effectivement. Ah oui, c'est parce que les interfaces. Donc... qu'il faut. On fait tout avec des cubes. D'accord. Très bien. Ah oui, c'est ça. Du coup, il y a. Enfin, oui, si, là, il y a quand même des assets chiffres. Donc, on peut afficher le texte. Ils sont dessinés en cube aussi. Là, il faudrait zoomer. Je ne sais pas si on peut. Je suis pas sûr qu'on puisse tourner. Ah non, habilement. Ce sont des petits cubes. Ce sont des alors, cubes. Si je peux me permettre. Oui, d'accord. Dans la régie qui est en train de. La PLS de la régie. Il faut enchaîner, là. Donc, on va enchaîner. Très bien. Encore une fois, merci.